Est-ce qu'on m'entend par ici? J'ai l'impression que oui! Comment ça va tout le monde? Salut Gosser. Papillon. Question directement. Tu m'as commandé des Armadillidium Red. J'ai dit au dernier stream, je mouille pas le substrat du coup quand tu vas le recevoir. Quel substrat? Tu m'as commandé du substrat en plus? Ou... Elle se cachait au début, mais là ça va commencer à sortir de plus en plus les dendros. Tu m'étonnes, dendros, c'est vachement... Vachement caché, quoi. Alors attends, Chris, je vais aller regarder ta commande. Oh, j'ai un coup de barre, je viens de revenir de... qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Et il fait froid. Faut le dire, il fait froid. Ah, tu m'as commandé un kit? Ouais, non, tu humidifies juste la mousse. C'est très bien pour eux. Il y a possibilité de tourner la roulette. On va relancer. Il n'y a pas le chat. Quand il n'y a pas le chat, c'est pas. C'est chiant. Je sais pas. Je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. Dernier follow, c'est bon. Dernier sub, c'est bon. Bah écoute, on réessaye tout à l'heure parce que là, le logiciel, il marche pas en fait. Attends, je vais essayer de forcer à quitter. Je vais le relancer. Ah, c'est pas ce truc-là, là, de Streamlabs, il est pas très... Il déconne un peu, je sais pas si c'est parce que je suis sur Mac ou quoi. Ah, là, ça s'est relancé. Tu reviens des courses, il y avait trop de monde, c'était chiant, putain, tu m'étonnes. Déjà que les courses, c'est l'enfer. Ah! Ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? J'ai gagné merci, merci à moi-même. Merci à moi-même d'être moi. Voilà. Bon, j'avais commencé à mettre une repro tout à l'heure, mais ça n'avait pas fonctionné. Alors j'ai envie de retester. Mais vous allez rien voir. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je fais des streams pour que vous voyez quelque chose? Ça, c'est une bonne question, franchement. Est-ce que je fais pas des streams comme ça pour moi? Elle est là-bas, la menthe. Donc voilà, je vais essayer de faire la repro. Donc elle est installée, donc je peux pas trop la bouger de place. Donc bah, vous regarderez d'ici, hein. Vous avez regardé de là-bas alors que moi je serais devant. Ah! Comment conserver la pâté? Comment ça? Dans sèche? Sèche, moi je fais rien de spécial, hein, franchement. Après, si elle est humide. Si t'en as préparé trop, tu peux la mettre au frigo. Ça marche bien. Puis quand tu la... Le mieux, c'est de la filmer, tout ça. Éviter qu'elle sèche. Sinon après c'est un peu chiant. Mais la pâte est sèche, moi je me... C'est dans une boîte fermée et puis... Ça m'est déjà arrivé qu'elle prenne un peu l'humidité et ça s'agglomère un peu. Et il suffit de... de l'émietter dans les mains et puis on est reparti. Hein. Pas gagné, hein. Je sais pas si on voit, mais il y a le mâle sur la femelle, mais pour l'instant, il...
Il est pas trop motivé. J'ai mis un énorme tasseau, mais c'est pas pratique parce que du coup je peux pas trop les faire trembler alors que quand je prends des longues branches. Ouais, bah voilà. Il est descendu. Ah, à peine je le touche, il s'envole. Si tu m'en commandes trop, non, mais tu les laisses dans le sachet. C'est juste, prépare au fur et à mesure. T'as séparé Baby Sodro, ça commence à se dévorer. Par contre, tu vas devoir trouver encore plus de place pour les critter box. Tu les fous en critter box, les bébés. Putain, t'as pas fini, hein. Après, bon. Sinon, c'est la technique des gobelets, mais. Pff, moi, les gobelets, j'aime pas. Je m'en sors pas. Gobelet élastique, j'ai jamais été bon pour ça. J'essaye de faire bouger la femelle, je sais pas si ça se voit d'ici. Mais je fais danser un peu la femelle devant le mâle, mais franchement, il en a rien à taper. J'ai pas. C'est le dernier mâle en vie, elle a toujours pas pondu, j'ai pas forcément envie qu'il tombe. T'avais plein de critères de côté, donc autant que ça serve. Ouais, bah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et tu veux commander tes pessetiers en même temps? Parce que là, je vais m'occuper de faire le tri dans les pessetiers. Si tu veux commander en même temps. Après, je sais pas à quel prix je vais les mettre, hein, mais. Sinon, je te les garde de côté pour plus tard. Mais je devrais les mettre ce soir en vente, quoi, les pessetiers. Bon, j'ai de la Sodro à mettre en repro aussi. La Sodro classique. S'il me reste des mâles, donc autant qu'ils servent, quoi. Tonight. Salut, Passion Mante. Est-ce qu'un envoi de roseaux de Belgique à Bretagne, ça craint? Bon, non, les roseaux. Les roseaux, ça craint pas grand-chose. Hein. C'est con, si j'avais su que t'avais besoin de roseaux, je t'en aurais commandé pour toi, Calimero. Parce que là, j'ai ramené de la souche toute neuve. On a 22. Les quelques restants vont finir dans des petits bottes de transport. C'est bon ça. Moi j'ai eu une petite éclosion de phyocrania aussi ce matin. Et les éclaireuses d'Omomantis, bah ça a clos cette nuit. Et il y en a à peu près une cinquantaine. Donc comme quoi, même quand il y en a genre 2-3 qui sortent au départ, faut pas perdre espoir. Bon, je suis désolé, on discute, vous voyez pas grand-chose. Je suis en train de mettre en repro mes petites sphodros qui traînaient là. Je dis qu'ils traînaient parce que je les avais laissés sur le plan de travail pour les mettre en repro. Puis j'avais pas pris le temps de le faire tout à l'heure. Par contre, le Maloréa, il va y aller. Il va y aller, mais s'il fait comme hier, faut que je me tienne prêt. Parce que ça, c'est en lot ou par araignée? En couple, je pense. Après, ça dépend si tu veux pas un couple. La roue, c'est ok, ouais. Ça marche. Envoie la roue, envoie la roue. Le mâle, il est concentré sur la femelle. Hein. Il est concentré, mais. Ah, la roue de la fortune. Alige 0-bas. Voici ta roue de la fortune. Alige 0-bas. Et regardez, ma tête, c'est la roue de la fortune.
Je suis une roue de la fortune. Est-ce que tu vas gagner ou pas? Merci beaucoup pour ta participation. Je suis la roue de la fortune parlante. Merci beaucoup. Vous réussissez à avoir des filles au crâne vert? Certains disent que c'est génétique. Ouais. J'ai déjà réussi à avoir des filles au crâne vert, évidemment. Fait tellement de temps que j'en élève. Génétique. En fait, personne ne sait. Personne ne sait, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai pris une philo-crânien. Je l'ai mis dans un gobelet avec énormément d'eau, avec de la sphaigne. D'accord? La mue d'après, elle est devenue verte. Je l'ai enlevée de ce gobelet. Je l'ai mis sans aucune humidité. Elle est redevenue marron à la mue d'après. Voilà. Par contre, Mister X, l'environnement doit beaucoup jouer. Un terrain humide plein de verdure pourrait en théorie favoriser la chose. Je suis d'accord, ça favorise la chose. Mais j'ai déjà eu dans des flex non brumisés, deux flex l'un à côté de l'autre, la même hothèque. À droite, il y avait des vertes, à gauche, c'était tout des marrons. Donc, voilà. Et des fois, dans les mêmes lots, élevés pareil, ensemble toute leur vie, il y en a des marrons, il y en a des vertes. Donc, bon, c'est comme les autres espèces, hein. Des fois c'est marron, des fois c'est vert. Bon, si tu mets un peu plus humide et que tu mets. Moi, les décors verts, j'y crois pas du tout, ça, je pense que c'est une connerie. Mais la verdure, pas en tant que déco, mais en tant que respiration, etc., qui va donner de l'humidité, pourquoi pas. Maintenant, j'ai jamais. Les vertes, je les ai jamais eues en mettant des plantes dedans. Mais toutes les espèces, hein. Là, je suis en train de reproduire des Sodomantis. Il y en a une verte, il y en a une, elle est cacadois, et j'en ai une autre qui est complètement marron. Flex ou exo pour les Peucetia? En fait, le problème des Peucetia, c'est que tu les mettes en flex ou que tu les mettes en exo, tu vas avoir le même souci. C'est que pour vivre, il n'y a pas de problème, mais les cocons, il faut beaucoup d'humidité. Sinon, le cocon va dessécher. Donc, soit tu te démerdes. Flex, il faut vraiment y aller en brumisation. Et même si tu prends un Exoterra, faut te démerder pour garder bien humide, tu vois. Pas hésiter à brumiser tous les jours sur ces espèces-là. Bon, je vais vous mettre la caméra là. Je ne l'ai pas branché par contre. Ça n'a pas marché. Alors, attendez, on va débrancher le PC. Hop là. Brancher le PC là. Hop là. Hop là. On va brancher le PC là. La caméra là. Hop là, et on va mettre ça comme ça. Ah, ça marche pas par contre. Ah, one. Voilà. J'ai mis là-bas mes Sodomantis. Et dites pas que c'est le bazar, hein. C'est quasiment pas le bazar. J'ai tout rangé aujourd'hui. Ils sont là-bas les Sodros. Du coup, je vais aller reproduire là-bas. Tu m'extrais un podcast, tu vas préparer ton panier. Si t'as besoin, n'hésite pas. Je serai là. Femelle, elle était pas très contente, mais le mâle, il y a été tout doux, ça l'a fait. Ah, mais c'est bien, c'est derrière les boîtes, vous avez vraiment rien vu du coup. C'est pas grave, vous verrez pour celle d'au-dessus qui va pas fonctionner. Vous me voyez là? Ouais, oui, on me voit là. Oula.
Elle est pas commode. Déjà tout à l'heure, j'ai pas réussi à la nourrir. Et là, en plus, je fais de la repro carrément. Je suis même pas capté. Je vous dis, j'ai un coup de barre. Je pense que j'ai pris un coup de froid dehors. J'ai même pas nourri mes mantes avant de faire la repro. Comme quoi, hein. Oui, il faut absolument nourrir les femelles pour faire les repros. Ouais, en vérité, c'est pas vraiment ça. Hein, mais bon. C'est ce qu'il faut dire pour que les gens soient contents. Everyone who wants to be my enemy. They're the sympathy. My enemy. Oh, lui, il va y aller direct. Il est motivé de fou, je le sens. Je le vois. Mais elle n'a pas du tout envie, quoi. Mais lui, il se planque derrière la femelle pour pas que je le voie. Mais t'es intéressé par la femelle ou t'as juste peur de moi, débile? T'as juste peur, en fait. T'as raison, parce que je vais te dévorer. Oh, je vais le dévorer. Viens ici, grand con. Oh, bah allez, laisse tomber. Allez. Fini de le montrer à la caméra, là. Viens ici, toi. Coucou. Moi, j'aime pas trop Florian, il est pas gentil, il me fait peur. C'est la sympathie. Everybody want to be my enemy. Salut Doom! Hop là! Bon, bah ça c'est fait. Ça c'est fait, ça n'a servi à rien. Bon, au moins on a mis deux Sphodrons en repro qui ont déjà été reproduites. Au moins deux fois chacune, mais bon. Toujours 7 plus, hein. Bon, moi je voudrais regarder mes boîtes. Parce que alors là, j'ai fait une nouvelle technique pour mon substrat à Coléo. C'est que j'ai pasteurisé mon substrat. Et du coup, je voulais voir si ça avait bien tenu, si le scotch avait bien tenu. Ouais, le scotch a bien tenu. Les boîtes, ils ont tenu la pasteurisation. Une belle grosse boîte là. Oh, c'est encore hyper chaud. Ça fait 1 heure et demie que c'est éteint quoi. Clairement là va falloir attendre jusque demain pour que ça soit refroidi avant l'inoculation du mycélium. Hop là, allez. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce stream? De toute façon, le stream durera pas très longtemps. On va s'occuper des Pessetia. Voilà, c'est un stream Pessetia. Quand on aura fini les Pessetia, et ben ça sera la fin du stream. Voilà. Hop là! C'est pour ça que j'ai laissé un peu de bazar là. C'était mon bazar de nourrissage, quoi. Terra acrylique, c'est bon? En vrai, tu peux, mais il faut un grand, hein. 20 par 20, est-ce que 20 par 20 ça suffit? Je sais pas, attends, on va regarder. Bon, si 20 par 20 ça suffit, je suis bête, c'est la taille de mes bras plastes. Moi je les mets en bras plastes. Mais c'est pas très très grand quand même, quoi.
20 par 20, c'est bien quand tu fais de l'élevage. Bah après, genre, juste pour juste une femelle, c'est suffisant. En vrai, c'est suffisant, 20 par 20. C'est suffisant, largement. On va regarder s'il y a s'il y a de quoi vendre quand même, mais bon. Parce que je pense que j'ai quand même beaucoup plus de mâles que de femelles. Ça va être une problématique. Par contre, j'ai plus de. Mon micro, il va couper, je pense. C'est pourquoi quoi? M'entends? Yes, c'est bon, c'est revenu. Oh, l'autre micro, il commençait à plus avoir de batterie. Je me suis dit qu'on allait être en panne. C'est un couple que tu voudrais, bah, je me doute. On va regarder parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de mâles. Ça, c'est un mâle. Ça, c'est une femelle. Mâle. Femelle. Femelle. Ils sont tous adultes, hein. Femelle. Ils sont tous adultes. Depuis pas très très longtemps. J'ai peut-être des subadultes dans l'eau. Ça, c'est un mâle. Vous voulez que je vous montre comment c'est que c'est? Ouais, Pessetia. Ah, tu sais pas ce que c'est, Pessetia? C'est des araignées, pardon. C'est vrai que je pense pas, mais. Ces petites araignées comme ça. Ouais, ça se voit au gant de boxe. T'as raison, Mister X, mais bon. Peut-être que ça parlera pas forcément aux gens. Ici, on a une femelle. Et en fait, ça va se voir sur le côté. Au niveau de sa tête, on voit pas de gant de boxe. J'aurais dû montrer le mâle en premier, je viens de m'en rendre compte. C'était un peu de bête de montrer les femelles. Parce que là, on le voit bien. Regardez. Il a des petits gants de boxe, le mâle. Vous voyez les petits points noirs? Bon, la caméra, elle a un peu de mal à focus, forcément. Vous voyez sa tête? Il y a deux petits points noirs devant. Là, ouais, on le voyait bien, là. Bah franchement moi je vais les mettre dans 20 par 20 et puis tu verras ce que ça donne. En fait je les ai encore mes boîtes des Pessetia, des anciennes. Je les ai gardées de côté parce qu'il y avait du potos dedans, j'avais la flemme de les refaire. Mais tu vois moi je les avais mis là-dedans. J'ai pas eu des très très bons résultats quand même, il faut l'avouer. Oh, pardon. J'ai pas eu des super résultats, hein. Ça je me tâte encore tu vois. Moi, tu vois, je les avais mis là-dedans. Donc, quand tu vois l'araignée qui est, tu vois, grande comme ça, là-dedans, c'est largement suffisant, quoi. Donc, 20 par 20, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu des très très bons résultats, quoi. Ça, c'est un peu le mystère, en fait. Si vous voulez, j'ai eu une femelle qui a très bien donné et les autres, bah, presque rien, quoi. En fait, des fois, ils font des cocons un peu moches. Alors j'ai tout essayé avec elles. J'ai déjà essayé de les mettre en Exoterra, en Flex. Et le problème, c'est quand on les met tous ensemble, ça devient vite le bordel. Et tu vois, celle-ci, elle m'avait fait un cocon dégueulasse, tu vois. Qui était tout petit. Et à l'intérieur, je sais même pas s'il y a des œufs. Non, il n'y avait pas d'œufs, je pense pas. Parce que c'est pareil, après pour l'accouplement, si tu veux, tu vas pas les. Tu peux pas vraiment faire grand chose en fait pour l'accouplement. Les mâles Hirudula membranacea ne volent pas, on est d'accord? Bah si, bien sûr, ils peuvent voler. Bienvenue à toi, Rurutier Tropode! Bienvenue à toi. Tu fais maintenant partie de l'insecte. Bienvenue dans l'insecte! Si, ils peuvent voler les mâles
Membres nacés, après, c'est très rare qu'ils font des très gros vols, mais ils peuvent voler un peu, planer, etc. Perso, j'étais dans un terrain en vert, 40, 30, 20. Et t'avais bien réussi, Mister X? Fait, je pense qu'il faut beaucoup d'humidité. La tienne, non? Bah, après, c'est possible que t'en aies qui soit moins porté sur ça. Hein. Ça m'étonne pas plus que ça. Après, le truc qui me fait chier aussi, c'est que là, je vais les mettre ensemble, mais j'ai pas de mouches. D'habitude, j'aime bien les blinder de mouches quand je les mets ensemble. Mais... Bon, je sais que je vais avoir des couples en vente hein, là, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. J'ai les infos. Oh, il y en a un paquet des femelles. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de mâles, mais putain, j'ai beaucoup plus de femelles. Bon, c'est pas très grave, les femelles sont pas très agressives sur les mâles, donc il y a même moyen de. Moyen de. Avec un mâle de féconder plusieurs femelles. Ça, c'est une femelle un peu plus petite. Ouais, putain, j'ai plus de femelles que de mâles en fait. Hein. Je vais pouvoir vendre des femelles aussi. J'ai deux femelles subadultes. Un, deux, trois, quatre, cinq. 10, ouais. À peu près 12 femelles adultes. On va faire ça. Pas besoin de drosos, ça mange des mouches. Ouais, ça mange même des blattes, je pense. Hello, Crus! Température mini pour que drosos se repro. Je sais pas. En fait, c'est pas. Pour moi, c'est pas. C'est pas une. La question n'est pas bonne. Parce que avec ta souche de Droso, tu dois. C'est comme avec le mycélium. Tu dois. Comment dire? Tu dois faire en sorte que tes Droso se reproduisent assez vite pour pas que d'autres prennent l'assaut de ta souche. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est genre quand tu mets à 25-26, ça a tendance à foirer. Mais à 16-17, ça a tendance à foirer aussi. Franchement, moi, la température idéale que je trouve pour les drosos, c'est, on va dire, température ambiante 18, 19, 20, quoi. Mais à 15, 16, ça commence à partir en couille. T'attends que je mette le couple en vente. Par contre, je ne sais pas à quel prix je vais les mettre en vente. Il faut que je regarde combien je les avais mis en vente l'année dernière. Puis que je regarde si quelqu'un d'autre en a en vente. Je vais regarder ça. Pas sûr qu'il y ait grand monde qui en ait en vente. Hein. Plus personne en a en vente. Hein. Je pense que ça va être 50 euros le couple adulte. Ce que j'avais fait l'année dernière, il me semble. Tout est question d'équipe, bah ouais, j'ai l'impression quand même.
Les grosses ou des petites mouches? Tu prends des grosses mouches. Hein. Je te dis, on va regarder, mais moi je vais essayer de nourrir les Red Runners. Hein. Je pense que ça va bouffer les Red Runners hein, déjà. Enfin déjà, c'est parce qu'elles en ont jamais vu, mais Possetia subadulte, ça bouffe de la Red Runner. Hein. C'est juste que c'est un peu con en fait. Par contre, combien j'ai de mal que je me foute pas dans la merde? Je vais garder 6 mâles et vendre 5 couples. On va faire comme ça. J'ai pas de truc stade araignée. Si. Alors je vais mettre stade menthe et il y aura forcément quelqu'un qui va faire. Oui, c'est marqué stade menthe. C'est marqué stade menthe. Pardon. J'ai même pas de couple adulte. J'ai même pas le truc couple adulte. Merde, faut que je crée le truc couple adulte. J'ai jamais mis en vente de couple adulte en fait. Alors paf, ajouter une valeur couple adulte. Hop là! Allez, c'est parti! C'est parti, couple adulte. On met à jour. Paf, 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 paf. Stade. Tout couple adulte. Pam. Et après, il nous faut donc les femelles subadultes. Subadultes femelles. Pour les gens qui ont envie que de femelles. Hop là. C'est tout bon. Tes petites Vénosa qui poussent bien? Hey, ça me fait penser que j'ai pas nourri les Vénosa moi cette semaine. Merde, je devais les nourrir aujourd'hui. Faudra que je les nourrisse après. J'ai mis mon pasteurisateur. Et Crus, j'ai pasteurisé mes boîtes pour relancer une souche de substrat. Donc j'ai fait une super pasteurisation pour le kimchi. J'ai de la condensation partout. Il faisait une chaleur là-dedans. Oh là 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 là, il y avait une humidité, vous imaginez même pas. Il y avait de l'humidité partout. C'est vite redescendu d'ailleurs. Impressionnant à quel point c'est vite redescendu. Il faisait 30 degrés dans la pièce, 65% d'humidité. Là, on est redescendu à 45. Truc de malade. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes celles-là? On va en installer ensemble, ça c'est sûr. On va installer les plus grosses femelles. On va installer les plus grosses femelles et les autres, elles vont manger. De toute façon, on a combien de mâles? On a 6 mâles. Donc on va faire 6 bras plats et on va installer 6 femelles. Il faut vraiment que je prenne les femelles les plus grosses pour éviter qu'elles défoncent le mâle direct. Ça, c'est pareil, Calimero, t'évites de les foutre ensemble direct. Tu fais pas le con. Tu en nourris avant. Hein. À la limite, si ça te dit, de toute façon, je te l'ai pas créé dans des boîtes. Un peu boîte un peu grande, tu vois. Tu les laisses dedans, on s'en fout. Ah, ok, comme ça évite que ta femelle elle défonce le mâle direct. La tienne. Vous êtes sûr que les Rhodia membranacea peuvent voler? Bah bien sûr. Est-ce que j'aurai bientôt de nouvelles menthes ou coléo bientôt? Non, rien de nouveau. Bah, Homomantis, j'ai eu une éclosion, donc j'aurai de l'Homomantis dispo, mais. Voilà, elles viennent de sortir, donc faut attendre. Coléo, franchement. Coléo, je sais pas. En fait, en vrai, j'ai Coléo, j'ai des packs Nodama Arginata et Odyssella Ornimani, j'en ai pas mal. Mais les Ornimani, elles commencent à coquer, donc ça me fait chier, tu vois. Peut-être la Linéola mâle, ça y est, quoi? Comment ça y est?
Ah ben, t'as des individus qui volent pas trop. Allez, ceux-là, on va pas les mettre en terrarium. Ceux-là, on va les mettre. Allez, on va y aller. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est de prendre des nouveaux terrariums quand même. Histoire de nettoyer un peu. Putain, par contre, j'ai pas d'eau, moi. J'ai plus d'eau et en fait, toutes les canalisations sont congelées. Du coup, c'est pas grave, on va préparer tous les terrariums et après, j'irai chercher de l'eau chez mes voisins. Putain, mais où elles sont les autres? 2, 3, 4, 5. On va prendre ça, ça fait 6. Et il faut des couvercles. Les couvercles, ils sont là. C'est où mes boîtes comme ça quoi? J'en avais nettoyé plein. Tu m'as dit vers janvier, t'allais avoir des mâles Sodromantis linéola. Mais qu'est-ce que tu veux comme mâle? Quelle taille? Et pourquoi faire? Parce que il me reste encore deux mâles adultes, mais je viens de les mettre en repro là maintenant, tu vois. Non, t'inquiète, Mister X. J'avais prévu le coup lundi quand j'ai vu que ça commençait à descendre en température, j'ai vidé toutes mes canalisations en fait et que j'ai coupé au niveau du compteur. Pas bête la bête. Flo, tu fais le live vers quelle heure? Tu as action pour chercher une boîte pour les colamboles, comme ça tu peux trade. Bah, je fais mes 6 boîtes et après j'arrête. Dans 20-25 minutes, j'arrête, je pense. Il te faudrait du L3, L4 pour de la repro. Ah oui, non, mais des tout petits. Non, mais non, j'en ai pas. Comment ça, je t'ai dit vers janvier, je devrais en avoir. Ah ouais, mais parce qu'ils viennent de naître. Genre, je t'ai dit ça la semaine dernière, non? Malinx, le lynx. Tu vas faire le nourrissage et boîte pour colambole. Bah, vas-y, vas-y. Hein. Tant que tu reviennes, de toute façon, je pense que j'aurai. On t'attendra, on t'attendra. C'est vrai, j'ai que ça à foutre de toute façon. J'ai que ça à foutre, on va attendre des gens de toute façon. Bien connu. Le mec de chez Mantibule, il branle rien de cette journée. Hein. C'est pas un vrai travail. Hein. Non, mais j'ai des petites là, mais les petites, elles sont nées la semaine dernière ou il y a 15 jours? Ouais, mais elles sont nées il y a 15 jours. Donc, ouais, bah, ça sera, il y en aura à vendre dans 2-3 semaines, quoi. Des petites. Je pensais que tu voulais des mâles adultes, en fait.
Mais là, j'ai envoyé mes derniers mâles au casse-pipe parce qu'ils étaient adultes depuis longtemps. Donc Moi, je sais plus hein, ce qu'on me dit. Hein. On va voir ces petites dendrobates. Bah ouais, j'ai l'impression. Hein. Après, moi, perso, j'ai pas forcément envie de voir les petites dendrobates d'un mec sur Internet, mais bon. Pas trop envie de voir un mec qui fait voir ses petites dents de robot quoi. Oh qu'il est con Florian de chez Mantibule. Pas possible. Vous déteignez sur moi. C'est à cause de vous hein, évidemment, vous voyez, c'est pas du tout de ma faute. Hein. Il y avait du sopalin tout à l'heure. Putain mais ça coule encore du plafond là. Ça coule par où en fait? Ça peut pas être de la condensation. En fait, il y a de la condensation au-dessus. Hein. En fait, ça pisse le côté, là, je pense. En fait, ça doit condenser par au-dessus, c'est pas possible. Toujours au même endroit que ça pisse. Je pense que ça doit condenser sur le dessus du hangar, en fait. Entre l'isolant et le hangar. Tamant, t'es pas encore adulte, donc tu penses préférer élever ton mâle du départ. Mais Tamant, t'as à quel âge? C'est chaud, quoi. Les gars, tu nous dis à demain? Oula, on n'a pas tout compris, Crus, mais j'ai essayé de déchiffrer. Putain, mais j'avais du sopalin tout à l'heure. C'est pas possible. J'étais en récupéré. Ah ouais, voilà. La 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 la. Demain, tu vas chez kiné pour soulager ton genou. Merde. J'espère que ça ira mieux pour toi. Parce que les genoux, c'est une sacrée saloperie quand même. Hein. Bon, je nettoie vite fait cette boîte. Je sais que c'est pas trop problématique. En fait, c'est une boîte que je me suis servi pour stocker les plantes. C'est juste que je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas. J'ai deux types de boîtes, du coup j'ai les bras places et celle-là, et puis j'ai plein de bras places propres, mais j'en ai pas de celle-là. Je voulais les mettre dans ça. Elle a environ 8 mois et L5. Non mais L5, ça va être chaud hein, pour le mâle. Je pense que c'est chaud. Hein. Faudrait que tu essayes de trouver un mâle plus vieux quand même. Hein. Mais pas la pluie, hein, pas plus vieux, genre la pluie. Hein. C'est plus vieux, genre plus âgé. Pardon. Hier, tu t'es déboîté la rotule. Ah putain. Ça, c'est le genre de truc, on n'a pas trop envie que ça nous arrive. De se déboîter la rotule. Ça n'a pas l'air très agréable. Et ciao, Crus. Bonne soirée à toi, courage. Bon, on va mettre une bonne dose de substrat là. Une petite plante dedans là comme ça là. Pouf, pouf, une petite plante. Ça fera de l'humidité. On va même mettre plusieurs pieds dedans. Ça fera plusieurs sources d'humidité. Les araignées, elles n'ont pas besoin de grand-chose en vrai. Hein. Après, de toute façon, une fois qu'elles naissent, elles sont toutes à la surface. Donc. Oh là! Tu as payé pour faire tourner la roue de la fortune! Espèce de petit malin, va. Salut Bastien! Allez, la roue de la fortune! Allez! Ah non, merde, merde, je me suis trompé, je me suis trompé. Ah non, tant pis, je pourrais pas faire la blague, genre ma tête, c'est la roue de la fortune. Et ça repart pour un tour, ça repart pour un tour de roue de la fortune. Le bouton, le bouton, le bouton. Regardez! Ma tête, c'est la roue de la fortune. Oh, attention, qu'est-ce que je vais vous faire gagner? Je suis la roue de la fortune. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Tu es un grand merci de la part de la roue de la fortune de chez Mantibule. Ouais, merci beaucoup. Ah oh, putain, mais. Ah oh, mais quelle coquine cette roue de la fortune!
Elle arrête pas de vous faire des petites blagues, quoi. Putain. Oh, merde, merde. Pourquoi je lui ai donné un attribut féminin? Elle avait vraiment une voix très grave. Hein. T'as oublié le poteau sur ta commande? Bah, tu pues du cul. Voilà. Y'a pas François, faut bien t'embêter. C'est lui qui j'étais. Repasse une autre commande et tu me mets en retrait au centre d'élevage, ok? C'est la rue de la fortune! La roue de la fortune! Bah putain, vous avez gagné tellement sur la roue de la fortune que vous pouvez pas dire ça, hein, franchement. Franchement, là, vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Ah non, 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 c'est pas possible. Mais bah qui j'étais? Il vient d'arriver! Il vient d'arriver, il lance la roue de la fortune comme ça, il s'en fout! Il a dit bonjour au moins avant. J'ai vu ton message, Montgomery. Je viens te voir, je viens te voir. Attends, 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 attends. Et c'est parti, la roue de la fortune. Oh là, oh. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais pas me faire chier non plus à faire monsieur roue de la fortune tous les deux secondes. C'est bon, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que... Ah, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, mec, qui j'étais. Merci beaucoup. Allez, Mister X. Tu vas prendre des Ectéroptérix diatata en février, mais tu as bien raison, parce que c'est une espèce incroyable. C'est mon espèce préférée de phasme. Et si je devais brûler toutes les espèces de phasme, sauf une, je garderais les Ectéroptérix. Parce qu'au final, les autres, hein, les autres, on s'emmerde. Ah, c'est perdu! C'est perdu, Mister X. Dis donc, il n'y a pas de chance aujourd'hui. Hein. Moi, je vous dis, c'est pas le jour pour jouer à la roue de la fortune. Hein. Ah, mes journées, elles sont dures, franchement. À chaque fois, vous me voyez en live, vous me voyez faire n'importe quoi, perdre mon temps et tout, vous devez vous dire, mais putain, mais... Franchement, mais quel métier de rêve, en fait. Le mec fait rien, le mec s'occupe un peu de ses bêtes, il nourrit. C'est tout ce qu'il fait, quoi. C'est vrai, hein. On a l'impression que c'est ça, mon métier. Bon, les emmerdes en moi, c'est ça, mon métier, en vrai. Hein. Sauf qu'après, bah, y a la partie gestion. Il y a les factures. Je danse un petit peu moins quand je reçois des factures. Surtout la facture d'EDF que j'ai reçue la semaine dernière. Pendant 3 jours, j'étais comme ça. Ah bah c'est bien fait le truc qui prévoit ta consommation. Ah c'est bien fait, hein. Ah super, ma consommation elle est prévue alors. Ah bah si. Ah bah ça va, je vais dépenser la même chose que l'année dernière. Pourquoi vous me demandez 700 euros EDF? Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez que je puisse payer ma facture EDF. Oh putain. Tout est vrai. Hein. C'est tiré de faits réels. Hein. Je vous le dis, c'est une histoire vraie. Hein. Hâte d'avoir ton lot de 10 yules. Surtout le gros saut que t'as fait sur la Paradoxa. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi le gros saut? Je vais bientôt avoir des Paradoxa en vente. Hein. Peut-être les mettre en vente demain. Rock and roll. Ah super, super, ça parle de beat dans le chat. Ça parle de beat, donc tu te fais bannir par l'automode. T'as pris la seule Paradoxa qui était en vente, t'as sauté sur l'occasion. Ah oui, j'ai mis une femelle adulte tout à l'heure en vente.
Les Paradoxa que je vais mettre en vente, ça va être de la L3. Hein. Elles sont toutes petites. Hein. Mais ouais, j'ai mis une femelle en vente tout à l'heure. Tu t'es jeté dessus? C'est une femelle adulte depuis 2-3 semaines. Tu vas peut-être en prendre, tu vas avancer la commande pour payer EDF. Oh, t'inquiète, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. C'est juste que quand on est entrepreneur, en fait, il y a des moments où tu regardes ton compte en banque, tu fais putain, je suis bien ce mois-ci. Putain, c'est bien ça. Oh, j'ai bien travaillé ce mois-ci, c'est cool. Puis tu reviens le lendemain, tu fais ah ils sont partis où les 2000 euros? Ah, pardon, l'URSSAF. Ah, pardon, le loyer. Ah, pardon, EDF. Vois, tes 2000 euros, ils sont comme ça, tu vois, ils sont là dans ton portefeuille, les 2000 euros, tu les regardes, tu fais. Oh, que vous êtes beau, que vous êtes doux. Je vous aime bien, les 2000 euros. Puis tu te lèves le matin, tu ouvres ton portefeuille, il a. Ah, non, non, revenez. On les nourrit à quoi, les L3? Tu peux déjà les nourrir à la petite mouche. T'as une naissance de Paradoxa OOTEC qui vient d'Espagne. Ah, cool. Depuis tant que t'en voulais une. Et t'avais même pas fait attention que c'était une femelle. T'es encore plus content? Bah tant mieux. Écoute, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. On va mettre un petit peu de paille de bois pour les. Ah, quoique. En vrai, ça sert à rien la paille de bois. De toute façon, les petites, elles vont pas. Elles restent toujours. Elles restent toujours en surface. Bon, allez, on est parti. On va installer toutes les femelles dans un premier temps. On va essayer de les nourrir. Et puis après, on installera les mâles. Parce que là, nourrir. Et puis je me demande même, enfin, j'ai pas envie que mes mâles meurent parce que comme j'ai moins de mâles que de femelles. Après, Pussetia, c'est quand même une espèce qui est pas très agressive. Hein. Mais par contre là, si j'arrive à nourrir une Pussetia qui s'est jetée dans son bac comme ça, je suis vraiment un génie. Hein. C'est là une araignée stressée comme ça. Ouais, mon cul. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire en deux fois. On va le faire en deux temps, on va pas s'embêter. On va juste d'abord mettre toutes les femelles dans les bacs. Demain, toutes les femelles, elles seront remontées à la surface, elles auront commencé à tisser un peu leur petit coin. Et je viendrai les nourrir et mettre le mâle. C'est en rupture le poteau sur le site, mais non, mais c'est pas possible. Putain. J'ai pas fait gaffe, du poteau, j'en ai. Je sais plus quoi en foutre du poteau. D'ailleurs, le poteau, on va mettre des promos. Putain, mais il n'y a plus rien en vente, le poteau. Oh là 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 là, non mais. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux, ça, franchement. Pour la peine, on va mettre une promo de 30% sur le Potos pendant 15 jours. Voilà, jusqu'à la fin du mois. Sur toutes les déclinaisons, à partir d'un produit, 30%, voilà. Hop là, voilà, pour m'excuser. Tac. Heureusement que t'es là, j'avoue. Les menthes aussi, il n'y a plus rien. Non, mais il est fou, lui. Il est fou, lui. Comment il me parle? Mais vous me faites chier à dire qu'il n'y a plus de menthe en vente. À dire qu'il n'y a plus rien. Vous me faites chier au bout d'un moment. Putain, mais. Attends. On va regarder ça ensemble parce que. Et s'il y a plus de 5 espèces en vente, si on me dit qu'il n'y a plus rien alors qu'il n'y a plus que 5 espèces en vente, ça va se régler dans un ring, hein, je vous le dis. Hein. On va regarder ensemble. On va voir. Comment ça, les kits? Les kits de quoi? Flo, il n'y a plus rien. Putain, il n'y a vraiment plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Allez. On va regarder ensemble.
Ok? On regarde ensemble. Alors, on est sur le site là. Ah putain, mais comment ça se fait qu'il y a autant de... Comment ça se fait qu'il y a plus de stock comme ça? Venusaur, Urea, ça va. Et Kirby, il y en a. Kirby, il y en a. Ah mais ça se règle pas, ça se règle pas, hein, puis c'est tout. Hein. Hop là, Kirby, hop là, ça va être parti. On va remettre ça tout de suite. Là, je l'ai pas trouvé. Ah oui, c'est de l'autre sens. Kirby dans l'autre sens. On va remettre ça tout de suite. Hein. Terrible. Terrible. C'est chiant, vous savez, les stocks à gérer sur du vivant. Puis bon, vous savez, moi j'ai autre chose à foutre de mes journées que de passer ma vie à faire vite, 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 du stock! Du stock! Hop là, Kirby, j'ai du stock. Après, ah, c'est sûr que. Mais en même temps, vous me dépouillez. À chaque fois que je mets des espèces en vente, vous me dépouillez en fait. Kirby, c'est bon. Des repetits cicatas, c'est pour bientôt. Myomantis, il faudrait que j'en mette en vente. Hein. Faut que je les sexe. Sibylla, faut que j'en mette en vente. Faut que je les sexe aussi. Avec Réobroptère, j'ai tout vendu. Dans le reste, j'ai tout vendu. Hein. Biocélata, j'ai tout vendu. Non, j'ai tout. Tout le reste, c'est tout vendu. Non mais Papoua, il n'y en a plus, ça n'existe pas Papoua. On l'avait dit, torsionnaire. Vas-y, va voir. Ah non, on sait jamais là. Il va y avoir une propos de plus 30%. Exactement. Par contre, c'est quoi les kits qui sont plus en vente? C'est quoi les kits menthe? Des kits isopodes, ça j'en ai. Kit coléo, j'en ai pas. Et après, j'ai pas assez de stock. La preuve, j'ai pas assez de stock pour vous faire des kits à prix réduit. Les kits de démarrage sur les bestioles, j'en fais plus là. Vous me dépouillez. Comment voulez-vous que je gère? Je vais pas vous faire des promos alors que déjà, j'arrive pas à avoir assez d'espèces à vendre. Non, les boîtes 5 litres, il y en a. Hein. La boîte 5 litres, il y en a. Non mais des kits menthe, mais qu'est-ce que ça veut dire les kits menthe? Les kits menthe, c'est avec les menthes dedans, pas cher. Non mais ça c'est quand j'ai trop de repro, les gars. Par contre, j'ai des boîtes aménagées. Ça y en a. Je vais pas non plus tout vous offrir. Hein. Déjà que les putains de boîtes aménagées, les kits menthe. Franchement, les kits menthe, c'est parce que vraiment vous poussez à prendre des menthes parce que j'en ai trop, mais c'est une chiasse à faire. Hein. Tous les kits menthes sont plus là, quasiment toutes les menthes aussi. Obligé de te ruer sur les phases. Non, mais les menthes. En fait, faut que vous compreniez aussi que je suis un éleveur, quoi. Donc, je suis très dépendant des réussites en élevage, quoi. Et cette année, ça a été terrible l'élevage. Mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça a été terrible l'élevage cette année. Hein. Que là, c'est en train de reprendre tranquillou. Mais cette année, ça a été une catastrophe, l'élevage. Hein. Et quand je dis une catastrophe, franchement, je suis très gentil. Hein. Très, très gentil. Donc, ouais. Les 4x4, tu croyais que t'étais éleveur, pas mécano. Quel con. Par contre, en isopode et tout, il y a plein de trucs, hein. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. En isopode, il y a plein de trucs. Un peu de phasme. Il y a des hules aussi. Mais les menthes, c'est sûr que. Mais ça met tellement de temps. Personnellement, tu n'as pas réussi à faire reproduire le mâle est passé et la femelle dépose pas l'autèque. Bah, moi, elle a seulement pondu là, moi, ma femelle. Ça faisait 2 ou 3 mois qu'elle était, que le mâle était avec la femelle. Bienvenue chez Isopode Bulle. Mais on n'est pas chez Mantibule, les menthes. C'est Mandibule. Et ouais, c'est les menthes aussi. Vas-y, me faites pas chier.
Voilà, c'est tout. Je te respecte, ça doit être pas facile, je sais que c'est pas de ta faute. Ouais, mais quand même, quand même. Non, mais écoute, si tu veux, Montgomery, faut quand même te dire aussi qu'il y a une époque où j'avais 40 espèces de menthe, quoi. Et là, j'en ai quand même beaucoup moins. J'en ai quand même beaucoup moins parce que c'est... Bah, l'éleveur principal avec qui je travaillais en Allemagne, il a arrêté. Et donc, du coup, bah, j'ai quand même perdu pas mal. Merde, je vous ai pas remis la cam. J'ai quand même moins l'occasion d'avoir des nouvelles souches parce que franchement, lui, il m'a porté des souches de fou, quoi. Donc, c'était sympa. Tout ce qui était Papoua, les trucs un peu qui changeaient de l'ordinaire, c'était là-dessus. Puis après, c'est vrai que les espèces de base, jamais de la vie, je pensais que vous allez en acheter autant. Mais jamais j'ai pensé que j'allais en vendre autant, quoi. Donc j'ai fait le con, j'en ai pas gardé assez. J'ai pas gardé assez de reproducteurs et donc du coup, pas assez de dispo, quoi. J'essaye de faire de mon mieux. Là, j'ai rentré des zoothèques, va avoir de l'omomantis et brata, ça va être cool. Puis c'est pour ça que, bon, il faut y aller. Hein. On doit s'acharner sur quelqu'un dans la journée. Bah ouais, mais pas sur moi, quoi, merde. Je sais pas, acharnez-vous sur votre femme. L'enfoiré. Non, mais je déconne, y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Hein. En fait, je crois que quand vous mettez dans le chat, il y a plus rien en menthe. Je crois que ça me fait autant chier que vous, en fait. Mais vous imaginez, mais en fait, je pense que... Ah, salut, Montgomery. Ciao. Oui, les menthes translucides, les menthes de verre. Oui. T'en as plusieurs. T'as Neomantis australis, un truc comme ça, et t'en as une autre. C'est tout petit, hein. C'est tout petit, hein. C'est une phalange. Hein. Faut pas se fier aux photos. Mais là, c'est pareil, il y a les menthes boxeuses, là. Il y a les menthes boxeuses, après. Hein. Tu vas claquer tous les ladycons dans les messages. Mais c'est ça. Juron, qu'est-ce qu'il a dit? T'as pris 6 dits de 5 hautes. T'as pas vu ce que tu m'as dit? Ce que j'ai dit, moi? Moi, j'ai rien dit, mec. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai fait ça là-dedans, là. Mais moi, j'ai jamais fait un comme ça. Hein. C'est la première fois. Regarde. Je fais ça là-dedans. T'as pas vu tes messages? Comment ça? Quel message? Mais si, je t'ai répondu. Attends, c'est possible. Eh. Des fois, quand je réponds aux messages à 9h du mat, 8h30, 9h du mat, je réponds les messages avec la tête dans le cul, j'y vais. Je me souviens plus de ce que je dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je suis encore sur ta conversation, là. Il est beau ton terrain, quand même, hein, putain. Mais oui, tu m'as envoyé les photos de tes grenouilles. Tu veux des boîtes de colamboles? Bah, tu m'as rien dit de plus. Tu m'as rien dit pour les colamboles. Ah, sur le live. Mais ça, c'est pas 6 litres, hein, je crois. Si. Elle est pas très haute, celle-là, regarde. Regarde. Mais tu peux prendre plus haut. Hein. C'est 4,5, ça. Toi, t'as pris celle un peu au-dessus. Mais ça va, hein. C'est le même taille, hein. Et du coup, bah, alors, moi, je te dis pas que ça va marcher, hein, j'en sais rien, hein, pour l'instant. Je t'ai demandé si je prenais 6 litres 5 hautes. Putain, mais non, j'ai pas vu, hein, mec. J'ai pas vu du tout. Je t'ai répondu. Bon, j'ai pas dû répondre à ça. Tu as répondu à un autre truc. Et... Moi, ce que j'ai fait, tu vois, que j'ai percé comme ça, là. Tu vois ou pas sur le côté, là. Tu vois, j'ai percé et j'ai mis un... du sparadrap, en fait. Ah, toute plate, non, mais ouais, toute plate, ça peut le faire aussi, je sais pas, mais j'aurais pas pris. Mais... Après, le truc important, c'est qu'il faut... il te faut de l'eau osmosée. Hein. Tu sais, ça, eau déminéralisée ou osmosée, hein. Ça, c'est hyper important. Et après, bah voilà quoi. J'ai fait ça dedans.
Mais là, il n'y a pas assez d'eau au fond. Il n'y a pas assez d'eau, mais j'ai plus de. Je peux plus mettre en route l'osmoseur, il n'y a plus d'eau. Voilà quoi. Eau déminéralisée, un petit peu de levure diététique. Et voilà. Je sais pas, j'ai regardé des vidéos sur YouTube en vrai. J'ai fait comme il disait dans les vidéos. Mais là, tu vois, il disait de laisser 1 cm d'eau et là, il y a quasiment plus d'eau. Je pense que le charbon, il a sucé un peu l'eau. Faut tremper le charbon. Ouais, j'ai pas trempé le charbon. J'avais pas assez d'eau pour tremper le charbon. Alors, du coup, je vais en remettre au fur et à mesure. Ça devrait pas poser de soucis. C'est juste que j'avais pas assez d'eau osmosée. Parce qu'il fait moins 5 en fait. Voilà. J'avais pas envie que mon osmoseur se casse. Puis en plus, ça aurait. L'osmose, quand l'eau est très froide, c'est pas terrible. Bon voilà, allez, je m'en vais. Oh, je suis fatigué là. C'est ce que tu faisais? Ouais, non, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. J'avais pas assez d'eau, j'avais la flemme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Faut que je nourrisse les Vénosains. Je vais faire ça hors live, les gars, parce que. Oh, t'es pas prêt! Mais va te préparer, toi, qu'est-ce que t'attends? Ah, je suis fatigué, j'ai. Pouf! Je vais finir ma journée tranquillou. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je pense que c'est la période qui est horrible. Putain, je me lève le matin, c'est un enfer. J'ai tellement pas envie de me lever de mon lit, c'est horrible. Trop fatigué. Je mets Paradoxe à quand sur le site? Si, si, Venosa maintenant. Non, pas maintenant, après. T'as oublié un tapis. Bah, c'est pas grave, tu repasses une commande, te fais pas chier. Ça, c'est des roplatis. En vrai, je pourrais déjà les mettre en vente, les Philocrania, mais. Elles sont quand même petites, quoi. Préférerais attendre encore une mue, quoi. Je vais attendre une mue. Je les mettrai pas tout de suite, les Philocrania. Je vais pas les mettre tout de suite parce qu'en fait, le truc, c'est que. Les amis, il faut qu'on soit réaliste. La dernière session. J'ai accouplé 8 femelles. Vous m'avez dépouillé en un rien de temps, en fait. Du coup, je me suis gardé 10 femelles. J'ai eu quelques pertes. J'ai accouplé 5 femelles. Donc là, je suis dans la merde. Donc, je les mettrai quand j'en aurai gardé au moins, je pense, 20 femelles. Pour l'année prochaine, quoi. Bon, c'est bon là, Jordan? Ah, Jordan est en live. Allez, on va raid Jordan. Allez, c'est parti. Et demain, Mantinal! Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, de 9h à midi, je stream les isopodes. Donc, isopodes. Voilà.
Voilà. 9h midi demain, la matinale, tranquillo. Et on fait les isopodes et les coléos. Tu regarderas le replay. Quelle puissance! C'est pourquoi les. Pour les Pocétia! Ah, je sais pas, mec, ça dépend vachement du terrain. Hein. Boulot de matin, ouais, bah, je me doute, vous êtes pas mal à bosser. C'est juste que moi, le vendredi, ça m'arrange de tout finir au calme dans ma tête, en fait. Ah, bah, salut François, t'arrives au meilleur moment, on va s'en aller. Ouais, mais mec, tu vas les mettre dans quoi, du coup, les Pocétia? Tu l'as commandé, le terrain? Alors. Ah, c'est bien ça. Je pensais que t'allais prendre un truc pour les araignées, mais celui-là pour les mantes, il va être bien en vrai. C'est pas con du tout. En fait, le problème de ces terrariums-là, c'est que si tu prends du 5 par 5. Attends, c'est quoi les dimensions? Je devais mettre les dimensions des trucs sur le site, je sais pas ce qu'ils ont mis, les dimensions des tapis. Do you think? Ah, punaise, je les ai pas sortis encore. Je les ai pas rangés. To the good old boy. En fait, ça dépend vachement de la température chez toi, tu vois. Tu vas mettre un thermostat ou pas? Live demain de 9h à midi. Mantinale. Tiens, ils ont changé leurs étiquettes. En vrai. En fait, le problème, c'est que si tu prends un 5, tu vois, tu peux ne mettre que. Putain, merde, attends, je comprends pas. Tu vois, les 5 watts, c'est du 15 par 15. Du coup, tu peux pas. Enfin, en dessous, tu peux pas, tu vois, ça va gêner. Tu peux le mettre derrière, mais c'est pas ouf. Après, ça dépend si tu thermostates ou pas. Ouais, il est plus haut, c'est cool. En vrai, moi, je prendrais le 7 watts que je collerais comme ça. Ouais, t'as pas une grosse différence en puissance de chauffe. Mais bah, s'il fait frais chez toi, j'ai peur que le 5, ça soit un peu juste, tu vois. Après, je crois que la différence de prix, elle est pas incroyable, donc. Bah, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tant que tu vois, il fait frais chez toi, le 7 watts sera pas trop. Par contre, genre, quand tu vas arriver au printemps et tout, ça va peut-être être un peu trop fort, je suis pas sûr. Moi, je partirais sur le 7 quand même. Parce que comme ça, tu le fixes derrière, tu vois, tu le planques, tu fais un petit décor, un petit truc. Je pense que c'est le mieux. Le 5, c'est vraiment pour des bras plastes, en fait. Tu seras là en off. T'as rendez-vous demain, merde. Et vous êtes pas rangé avec Sakou là pour faire un petit topo là pour la bourse? Toi t'es pas là demain donc bon week-end. Ah, vous êtes pas nombreux à être là demain matin. Pour les Kirby, j'ai des piges d'élevage. Non, je les ai pas faites encore, je crois. C'est un quad sur une boîte de 20 par 20, ça marche, ouais. Mais tu vois, c'est 20-20-30 là, donc tu vois, c'est un peu plus grand. Et salut Altab. Allez, vas-y, balance la petite roue, Altab. Parce qu'après, on s'en va, là. J'allais couper le stream là. T'as eu une semaine de fou, mais trop bien. Trop bien. Allez, la roue de la fortune, regardez. Oh, je suis la roue de la fortune, Altab. Qu'est-ce que tu vas gagner aujourd'hui?
Est-ce que je suis généreux aujourd'hui? C'est non, tu as perdu. Moi, oh, je suis la roue de la fortune. Moi, je suis machiavélique. Moi. Putain, la roue de la fortune, vraiment, vraiment vilaine. Hein. Putain, vilaine. Il y en a plus sur le site. Qu'est-ce qu'il y a plus sur le site? J'ai pas remis les tapis en stock. Oh, si j'ai pas mis ça en stock, je suis un sacré couillon. Ah, punaise, là vous êtes en train de me dire que demain faut que je fasse un inventaire, quoi. Ah putain, je les ai pas mis en vente, quoi. Ah, demain va falloir faire un petit inventaire, hein. Mais faire un inventaire par moins 5 là. Mon imitation. Ah, la roue, elle a aucune pitié aujourd'hui. Elle claque tout le monde. C'est bon, je les ai mis en vente. Putain, je suis à la ramasse sur mes stocks, quoi. C'est pas grave, on va gérer ça demain. Allez, un petit raid. Les conditions, c'est quoi pour les Kirby? C'est pas très... Il y aura rien de spécial. Tu les fous dans des boîtes et tu leur donnes à manger, et puis terminé. Non, je pense qu'elles aiment un peu la chaleur, quand même. Mais, tu sais, c'est une espèce récente, et il y en a pas mal de gens qui les ont élevées un peu comme toutes les autres, quoi. Sans trop se faire suer. Oh, c'est quoi le pseudo de Jordan? Ouais, il va falloir faire un inventaire. Mais ça va aller vite, je pense. Mais le problème, c'est l'inventaire. L'inventaire dans un hangar où il fait moins 5, c'est terrible. Allez, on va raid Jordan, c'est parti. Allez, vous spammez bien son chat comme vous avez l'habitude de faire, là. Puis voilà. Oh putain, je peux pas faire le truc ici. The truth. Hop là, c'est parti. T'as augmenté la température, t'as remis accouplement, Madame Corot. Bah ouais, carrément. Eh ouais, on va raid Jordan, évidemment, Antoine, tu savais pas? Jordan, il stream. Allez, c'est parti. Bonne soirée à vous. Je fais des bisous. À demain. Demain, la matinale, 9h midi, sur Mantibule, Twitch.tv, Chasse Mantibule. Allez, à demain.